Le Food Time Show, c'est une émission qui a plus de 2 ans maintenant. En fait, déjà, c'est une émission qui est hebdomadaire. D'accord, hein, qui est tous les lundis entre 19h30 et 21h. C'est vrai qu'au départ, c'était vraiment 90% foot pro, foot international et 10% GF38. Mmh. Et c'est vrai que le GF38 a pris un gros engouement. Est devenu à 90% notre partie phare de l'émission de Foot Action. GF, c'était 2014, c'était après la CFA2, là, le dépôt de bilan, tout ça. Et mon meilleur souvenir, ça reste les supporters, en fait. Vraiment, hein, c'était. On avait, nous, vraiment l'impression d'être des professionnels. La marque de fabrique de l'émission, c'est de débattre. Donc essentiellement, on l'a dit sur le GF38, mais aussi d'essayer de caler pas mal d'interviews avec des joueurs qui ont fait l'histoire du GF38. Parle comme ça, quoi. Donc là, il va falloir que tu construises des choses, de la fondation, le football, c'est pas un hasard. Je pense qu'on est aussi une émission assez libre, si tu veux, tout en restant correct, hein, c'est ce qu'on dit, on n'a pas de langue de bois. Ça, et puis quand je compare à d'autres clubs, mais je me dis, les gens, ils oublient assez rapidement par quoi on est passé sur les 15 dernières années et la responsabilité que ces gens-là. Et l'histoire de Laurent, c'est un peu une victime dommage collatéral, entre guillemets, parce qu'il nous expliquait que sa carrière à court terme aurait pu être différente si c'était pas. On a senti aussi, en toute humilité, qu'on pouvait aussi essayer de faire le lien entre les supporters et le club. C'est une des premières choses qu'on dit, on dit que c'est l'émission des supporters pour l'amour. Qu'ils fassent des choses bien ou qu'ils fassent des choses pas bien. Il y avait quand même cette culture de faire travailler des anciens, et ça, on est en train de retrouver au club, quoi qu'on en dise. Il n'y a jamais eu autant de projets initiés avec des anciens joueurs, des gens qui sont passés par le club. Ça commence avec Céline, des Jonathan Tinan. Il y a pas mal de gens qui ont été sollicités pour rester dans le club. Après, ça marche pas. C'est bien, c'est pas bien, c'est les bonnes personnes. Moi je suis supporter, j'ai aucun intérêt. C'est la première fois qu'on l'a fait ici, c'est même la première fois qu'on l'a fait dans un lieu autre que un studio de radio. Dans un lieu qui est quand même important aussi pour nous. D'être au TSB chez notre ami Samir Sherad. Pas juste être dans le jeu, être dans le loisir, c'est tout donner pour rien regretter. Qui mouillait le maillot et du coup, t'avais envie de les supporter et tu vivais à travers le match. Je pense que cette année, c'est un peu compliqué aussi par rapport à ça, où quand tu vas voir un match, il se passe rien et t'as même pas de joueur Grenoble. On a chacun notre créneau bien propre, celui de la Suède qui a bien connu les supporters, Kevin qui connaît le football depuis très longtemps, Samir qui est un coach sportif, qui a été un sportif de haut niveau, Malek qui a été professionnel au foot, moi qui ai commenté déjà les matchs du GF38, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment, si tu veux, Mathieu Sensi, le coach, qui a l'œil du coach. Donc je pense que c'est vraiment une équipe, tu vois, qui est très complémentaire, qui est assez homogène. Et du coup, chacun donne sa petite patte à l'émission. Un mélange de pros, mais de passionnés, en fait. Et je crois que chacun, avec notre expérience, ça nous permet d'être assez pertinent sur les points qu'on amène sur chaque émission de lundi soir, entre 19h30 et 21h. Donc ce soir, on aura le premier attaquant emblématique du GF38, Jorginho Lima, qui est un Brésilien, qui est resté sur Grenoble, d'ailleurs, qui a ouvert un resto, qui a fait toutes ces choses-là, qui a fait sa vie sur Grenoble derrière. On aura également, dans un autre registre, Laurent Debrosse, le numéro 6, hargneux, qui a connu le GF38, je peux te dire. On aura Issa Yayabe, qui est pour moi qui a été le meilleur attaquant du Rhône-Alpin, ouais, je crois qu'on peut. C'est un mec qui a attaqué Échirol, qui marquait but sur but, qui allait à JR, qui allait sur des clubs comme ça, et qui à un moment donné, mais pourquoi il vient pas au GF38? Et puis il arrive au GF38 quand le GF38 se reconstruit, et c'est lui qui a commencé à mettre le pied à l'étrier dans ce nouveau GF38. Et puis on aura Selim Ben Griba, pour nous peut-être le joueur de légende le plus emblématique du. Là, pour le nouveau GF38, pour le coup, ce soir, c'est le seul qui a été élu joueur de légende par les supporters sur nos ondes. Et c'est 4 bons mecs, c'est ça que je voulais dire. C'est 4 bons mecs, 4 postes différents. Magnifique, quasiment. 4 époques différentes. 4 époques différentes aussi. Ils incarnent tous, en fait, un moment historique du GF38 qu'on a voulu aussi mettre en lumière et qu'on a essayé de mettre en lumière depuis le début de la création de l'émission. Voilà, et on est très fiers de ça et on espère que les supporters grenoblois apprécient aujourd'hui ce qu'on peut faire bénévolement avec News FM et le Foot Time. C'est des grosses sociétés, c'est des grosses entreprises qui est derrière. Bon, bah, en partie, je comprends bien, et c'est bien ça. Donc, voilà, quoi. Moi, j'ai aucun intérêt. Non, mais toi, t'étais arbitre de foot. Nous, on a une différence. Tu sais, nous, on a une différence, c'est qu'on n'a pas d'intérêt personnel parce qu'on n'est que des supporters. Moi, à la base, tu es toujours pour gagner le match. Parce que oui, des fois, t'en perds, alors que des fois, t'aurais même dû gagner, t'étais meilleur que lui. Tu joues pour gagner. On a fait une erreur, donc tout le monde était dans le même sac. Hein. C'est pour ça, le GF38 et les REPA sont deuxième fille.
présente, je suis Samir Chérad, je suis un ancien boxeur professionnel. J'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai fait partie des 7 meilleurs boxeurs classés mondiaux en WBA. Donc je vous présente ma salle, le TSB. C'est la deuxième salle que j'ouvre. J'en ai ouvert une première à Échirolles. Et sur, ensuite, j'ai ouvert celle-ci sur Grenoble en parallèle. Je suis plutôt content du résultat. J'ai beaucoup d'élèves, j'ai beaucoup de compétiteurs, en filles, en garçons. Je m'occupe beaucoup de sportifs de haut niveau, que ce soit dans tous les sports, hein, pas seulement dans la boxe. Hein. Je m'occupe de footballeurs, de tennisman, de judoka. Bien sûr, c'est ouvert à tous, hein, à partir de l'âge de 8 ans. J'ai tous les âges, j'ai des cours pour les filles, j'ai des cours pour les loisirs aussi, pour la boxe loisir. Je fais pas seulement aussi de la boxe, je fais aussi tout ce qui est circuit training, cross-training, avec des ateliers posés au sol. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de mouvements, il y a une grosse ambiance aussi, on met du gros son, il n'y a aucune distinction, on est vraiment un groupe, c'est vraiment un esprit familial. On a vraiment réussi à inculquer un mode de vie au TSB 38. Donc voilà, je suis vraiment content de ce qui se passe. Et puis on espère que ça va continuer. Vous pouvez nous retrouver au 169 cours de la Libération, juste en face de l'hôtel Lestiguer. On est à gauche de Basic Fit. Vous pouvez tous nous rejoindre et ici on se fera un plaisir de vous accueillir.